Bonjour tout le monde! Aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale car c'est l'avant-dernière vidéo de ce mois de Vlogmas. Vous devez vous dire, l'avant-dernière vidéo, comment ça? Je pense que je vous expliquerai à la fin de cette vidéo le programme pour la fin des Vlogmas. Il y a plein de reflets, je vais enlever mes lunettes. Je ne vais pas vous mentir, il est 16h30, je commence, c'est la première fois que je commence les Vlogmas aussi tard. Mais j'ai fait du montage toute la journée et donc ma journée commence maintenant. J'ai prévu quand même pas mal de trucs. Là je dois faire un truc assez rapidement, je dois tourner un TikTok. C'est la première fois que ça m'arrive en collaboration avec une marque et du coup je dois la rendre aujourd'hui. Il est déjà 16h30, il faut vraiment que je fasse ça tout de suite. C'est un produit pour les cheveux, donc je vais devoir aller me doucher, me laver les cheveux, filmer en même temps, ensuite je vais devoir monter tout le truc, donc on va voir. J'ai jamais fait ça, c'est la première fois. J'espère que le rendu va être sympathique. Je dois faire une transition où j'aurai les cheveux tout secs, donc je pense que je vais juste me maquiller vu que c'est genre la transformation. Mais je vais me faire un maquillage hyper léger parce qu'il est déjà tard et que je vais pas vraiment sortir aujourd'hui en plus, donc c'est vraiment histoire de dire. Ok, ça y est, j'ai terminé de tourner. Je vais aller monter. Je pense que ça, je vais le monter sur mon ordinateur parce que du coup, j'ai tout filmé à l'iPhone et pas sur TikTok directement. Je pense que si jamais YouTube ça s'arrête, je me réincarne en monteuse vu que je fais que ça. C'est terminé, j'ai mis mon pull de Noël, enfin ma tenue de Noël. Je suis trop contente du résultat, du coup ça y est, je l'ai envoyé à la marque. Il est déjà 19h, je suis en train de me demander si je ferai pas à manger maintenant. Là il faut trop que je fasse la vaisselle, je pense que je vais faire la vaisselle pendant qu'il y a un petit peu tout qui cuit. J'ai bien envie de me faire un petit peu de riz, un truc pas trop, enfin j'ai pas hyper faim. Je pense que je vais me faire un petit peu de riz, peut-être que je me ferai une soupe miso aussi. Mon placard n'a aucun sens, faudrait vraiment que je fasse quelque chose. Et j'ai ça, du poisson, donc je pense que je vais me faire ça. J'ai fait une bêtise, j'ai mangé du fromage. En fait j'avais du fromage, je me suis dit je vais juste en prendre un petit bout avec du pain. J'en ai mangé 3 tonnes, ce qui fait que maintenant j'ai plus envie de me faire manger, j'ai plus faim. Je regrette parce que là je me sens lourde, mais plus que lourde. Mais on va se faire un truc quand même parce que c'est le remède contre la lourdeur. Une soupe miso. Il y a rien de mieux pour faire du bien au ventre. Franchement c'est hyper apaisant, ça aide à la digestion, ça fait du bien. Et je pense que là je vais prendre ça parce que franchement je me sens comme un patapouf. Comme ça je vous montre comment je fais. Je mets de l'eau dans un bol, tu fais chauffer. J'aurais peut-être dû la faire chauffer à la poêle, à la casserole. Non mais si, ça va être dégueulasse comme ça. Quelle idée de me mettre un truc au micro-ondes. C'était pas une bonne idée, on recommence. Voilà ma soupe miso. Vous me demandez toujours si miso il s'appelle miso à cause des soupes miso. Oui. J'étais au téléphone avec ma mère tout à l'heure et on discutait parce que pour Noël du coup je rejoins de la famille. Et c'est vrai qu'on est pas mal, enfin on est pas à 150 hein, mais quelques-uns quoi. On est un peu effrayés par rapport à la situation, même si tout le monde est vacciné. J'ai l'impression que ça part en vrille, même pire qu'avant, enfin je sais pas. Donc du coup là on se confirmait le fait qu'on allait faire tous des tests avant Noël. Et qu'il y avait quelqu'un qui a le moindre truc, qu'on annulait tout. Je préfère sauter même 2-3 Noël plutôt que de prendre le moindre risque. J'ai envie de boire ma soupe miso là, mais c'est chaud. Bon sinon dites-moi quand même ce que vous avez prévu pour Noël parce que, ah bah je vais vous dire maintenant pendant que ça refroidit, c'est la dernière vidéo avant celle de Noël. J'ai décidé de regrouper tous les jours de Noël en une vidéo parce qu'en fait comme je vais voir de la famille et que j'ai pas forcément envie de filmer toute ma famille etc parce que c'est ma vie privée, je me suis dit que je pourrais jamais vous faire une vidéo par jour parce que j'aurais pas assez de contenu, je vais passer du temps avec eux. Au début je me suis dit je vais faire le 24-25 pour faire une vidéo de Noël, je crois que j'avais fait comme ça l'année dernière, et puis au final je me suis dit je vais aussi mettre le 23 parce que comme ça on peut quand même avoir un moment ensemble dans la vidéo sans la famille, à la maison avec les préparatifs de Noël etc quand même. Et surtout je vais pas filmer une vidéo le 23 pour vous la sortir le 24 au soir, personne sera devant la vidéo. Je me dis c'est plus sympa d'avoir une grosse vidéo de Noël qui sortira du coup le 26 à 19h, donc activez les notifs pour pas la louper si jamais ça vous intéresse. Je vous ferai sûrement un débrief de ces vlogmas parce que du coup ce sera la dernière vidéo de décembre. Je vous dirai aussi quand est-ce que je reprends les vidéos parce que je fais une toute petite pause, ne vous inquiétez pas, c'est la pause la plus petite de l'histoire des pauses.
j'ai une mission pour cette vidéo. Je dois trouver une tenue pour Noël. Je me dis, il me faut une tenue pour Noël en famille. Donc un truc assez mignon, fête, mais assez soft. En vrai, j'ai pas d'idée. J'ai des robes, mais j'ai plein de trucs genre ultra colorés, donc ça passera pas. J'ai plus des robes d'été en fait. Oh, j'ai ça. J'ai un chemisier que j'ai jamais mis encore. On voit pas trop, mais c'est un peu en... pas en soie, mais en... un peu effet soie, on va dire. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est un peu brillant, quoi. On s'est froissé, mais c'est quand même genre une belle chemise noire avec des belles manches. Je me dis que ça peut être pas mal si je trouve un pantalon qui pourrait faire bien avec. Ah sinon j'ai ça. J'ai ce haut qui se ferme comme ça. Les boutons sont assez mignons. Et puis là il y a une attache devant, c'est trop beau. Ah d'ailleurs je vous ai pas donné la marque de ce chemisier. C'est la marque Molly Breiken. C'est sur internet. Ok, donc ça c'est mes deux options. Je vais mettre celle-là. Ah bah j'ai un autre chemisier de la même marque normalement. Celui-là il est plutôt pas mal. Il est très froissé. Mais en fait la différence c'est qu'il y a des manches un peu bouffantes. Faudrait que j'essaye en vrai. Qu'est-ce que je pourrais mettre avec tout ça? J'ai ce short. Bah c'est toujours de chez Molly Breiken. En fait c'était une marque qui m'avait envoyé un colis avec des vêtements. Et c'était juste avant que je parte à New York. Donc du coup c'était pas trop adapté au niveau des températures. Mais en vrai un short comme ça avec des collants, un chemisier noir et ces bottes là Jonas, ça peut être pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais peut-être essayer avant. Bon je pense que je vais essayer parce qu'en vrai demain je fais ma valise et tout. Comme ça ça c'est fait. Tadam. Je crois que j'aime beaucoup. Sauf qu'on a un léger problème à base de le short est beaucoup trop grand pour moi. En fait je sais pas si on se rend compte. Je nage complètement dedans. Mais comme le chemisier est bouffant, je crois qu'on se rend pas compte qu'il est grand. Donc est-ce qu'on ferait pas comme s'il était à ma taille? Parce que j'ai eu peur du tiroir, j'ai cru que c'était bizarre. Est-ce qu'on ferait pas semblant qu'il était à ma taille? Je crois que j'aime beaucoup cette tenue. Mais j'ai un peu peur de me voiler la face sur le short. Franchement je crois que ça se voit pas. Bah en vrai vous pouvez me conseiller en commentaire parce que cette vidéo sort le 23. Je pars le 24. Ouais je pense pas que ça choque. Franchement moi j'aime bien cette tenue. Mais le chemisier il est incroyable, j'adore la coupe. Je vais essayer avec un autre short quand même au cas où. J'ai ce short aussi. Ah je sais pas, bah il est à ma taille quoi. Je le trouve un peu moins fait, un peu moins beau. Bah après ça va hein. En vrai dites-moi parce que je sais pas. Je viens de me rendre compte d'un truc. J'ai besoin de deux tenues. J'ai besoin pour le 24 et pour le 25. Donc je pense que la première tenue on l'a. On a le truc, la petite chemise, le petit short, peu importe lequel c'est, on a trouvé. Mais maintenant la deuxième, peut-être plus un jean ou je sais pas. J'ai bien envie de mettre en vrai ce haut Zara, mais je sais pas avec quoi. Ah mais j'ai un truc mais je suis pas sûre que ce soit très adapté. J'ai un pantalon rose que j'adore et que je n'ai jamais mis. Parce qu'en fait tu sais pas avec quoi mettre un pantalon rose. Mais avec ce haut, oh là, je vais essayer tout de suite. Et bah franchement j'aime trop. Mais ça fait pas très Noël le rose. Mais est-ce qu'on en a quelque chose à faire? Je crois pas hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Je me dis au pire je remplace par un autre bas. Mais j'ai pas d'autre bas adapté. J'ai un pantalon beige sinon. Mais bon c'est pareil, c'est très clair quoi. Ouais bah je pense que c'est peut-être un peu mieux. C'est plus... Oh, j'ai l'air d'une petite... Vous voyez ce que je veux dire? C'est marrant. Je pense que c'est mieux. J'en sais rien. On verra. Dans tous les cas, j'hésite avec les bas à chaque fois. Mais je vais garder ce haut. Je trouve que ça fait très repas de famille. Très... je me bats avec mes frères et sœurs pour l'héritage. Ça me plaît. Je me suis dit que ça pouvait être cool de répondre à vos questions pour cet avant-dernier vlog. J'ai sélectionné 3-4 questions qui revenaient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vous ai mis une petite story sur Insta. Première question. Es-tu heureuse d'être influenceuse? La réponse est évidente, je pense. Bien évidemment, je suis hyper heureuse, mais surtout hyper reconnaissante de faire ce métier. Pour moi c'est une chance incroyable parce que je fais quelque chose que j'aime et ça c'est un grand grand luxe. J'apprends énormément parce que je gère tout moi-même, donc je suis pas en agence et pour l'instant c'est pas prêt de changer. Mais j'apprends à négocier des contrats, j'apprends à lire des contrats, j'apprends à gérer toute la partie statut, vous savez, aux entrepreneurs, blablabla. J'apprends le montage, j'apprends à gérer un petit peu tout, même les rendez-vous, ce genre de choses qu'on fait pas forcément quand on a 20 ans normalement. Donc j'apprends beaucoup de choses. J'ai aussi beaucoup de chance de vous avoir parce que vous rencontrez tous les jours, voir vos commentaires, avoir du soutien, je trouve que ça c'est un énorme avantage. C'est que quand tu travailles dans une entreprise, peu importe, quand tu travailles mal, il y a toujours des gens pour te le dire, ton patron est toujours là pour te le dire. Quand tu travailles bien, il y a des gentils qui te le disent, et puis il y en a qui disent rien de particulier parce que tu fais juste ton travail. Et c'est vrai que dans ce métier, bah t'as des gens tous les jours qui te disent qu'ils adorent ce que tu fais. Ça c'est vrai que c'est hyper gratifiant. Ça c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et dès le début, c'est ce que je me suis dit. Je me souviens, je disais à Jérémy, tu te rends compte? En temps normal, quand tu travailles, t'as personne qui est là pour te dire tous les jours tu travailles trop bien, j'adore ce que tu fais, continue. Ça c'est vrai que c'est un avantage, je trouve qu'on en parle pas assez, mais moi je trouve ça incroyable. Autre question, toujours par rapport à l'influence, les dessous de ton métier. Alors les dessous, en fait ça me saoule un peu de parler de ça parce que bon, en fait c'est un truc qui m'énerve. Désolée les influenceurs, je vais critiquer, je dis pas que je suis mieux que tout le monde, pas du tout. Mais je trouve que en règle générale, il y a quand même trop de monde qui se plaint. Trop d'influenceurs qui réfléchissent pas, qui font des stories, se plaignent, il y en a leur contenu, c'est
c'est que de se plaindre. Sauf quand c'est drôle et que c'est justement leur personnage. Mais sinon, il y en a toujours qui trouvent des trucs à redire. Même si t'as forcément le côté où tu t'en prends plein la figure par beaucoup de personnes. Et ça, je le tolérerai jamais. Et je parle pas de ce genre de choses, mais juste des gens qui se plaignent dans la vie générale parce que aujourd'hui fait moche, que du coup ils sont déprimés et que si et que ça, mais des trucs à la con. Et moi, je trouve ça aberrant. Je dis la vérité parce que ce métier, bah maintenant je le connais, même si j'ai pas 10 ans d'expérience. Et c'est une chance quoi. En fait, moi je trouve que le... Je sais pas si je réponds bien à la question, mais il y en a qui se rendent pas compte de la chance. Évidemment, il y a plein de points négatifs, mais j'ai envie de dire, quand tu fais un métier de base, il y a aussi plein de points négatifs. C'est comme ça, il y a pas de métier parfait. Mais si je dois trouver des points négatifs, et franchement, je me plains pas parce que ça prend pas du tout le dessus, c'est les agences, les marques un peu relou, pas très professionnelles. Quand t'es pas en agence, du coup, tu dois tout gérer toi-même, et parfois, des trucs vraiment. Voilà quoi. Et l'autre dessous, bah c'est forcément les avis négatifs des gens qui se permettent de tout. Et ça, je le tolérerai jamais, 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 jamais. Que ce soit à propos de moi ou à propos de quelqu'un d'autre. Quand je vois par exemple tout ce qui se passe autour de Léna Situation en ce moment, qui s'en prend plein à la figure sur Twitter, je trouve ça mais aberrant et horrible. Et vous voyez, c'est typiquement ce genre de choses. Pour moi, en tout cas, de ce que je vois sur les réseaux sociaux, je la connais pas du tout. Hein. C'est pas le genre de fille qui va se plaindre parce qu'elle s'est cognée contre un meuble et faire 15 stories là-dessus parce qu'elle sait pas créer du contenu. Et pour le coup, je pense que si elle ouvre sa bouche, c'est pas pour rien. Et j'admire sa patience parce que je pense que vraiment, il n'y a pas beaucoup de gens qui supporteraient de recevoir autant de haine. Pour moi, ça c'est vraiment le côté négatif. Après, je suis pas à un niveau où pour l'instant c'est prenant de ouf parce que pour l'instant, quand j'en ai, bah, je m'en fous. Mais c'est vrai que quand c'est des trucs tous les jours comme ça, j'imagine que c'est dur. Pour moi, je pense que c'est les dessous de ce métier pour ceux qui vraiment explosent sur les réseaux. Autre question, comment booster sa confiance en soi? Je pense pas qu'il y ait un secret de malade là-dessus. Ma confiance en moi n'est pas parfaite, mais j'évolue au fur et à mesure des années. Et je suis très contente. C'est vrai que j'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Si jamais ça vous intéresse, je vous la mets dans le petit i. Je pense qu'il faut pas se mettre trop de pression. La confiance en soi, c'est un travail sur soi-même, mais c'est pas physique. On pense qu'en fait, pour avoir confiance en soi, il faut être d'une certaine manière. Quand t'as confiance en toi, que tu sois maquillée, démaquillée, en jogging, en robe, en tout ce que tu veux, je dis des extrêmes, mais c'est horrible. Ta confiance en toi, elle ne bouge pas. Pour ça, tout passe dans la tête. Pour se booster un petit peu, faut faire attention aux réseaux sociaux. On en revient toujours au même sujet. Faut arrêter de se comparer. Là, je vous fais une liste comme si, genre, vous pouvez claquer des doigts et tout se réalise. Mais non, mais je vous félicite quand même. Je pense qu'il faut arrêter de se comparer. Il faut travailler sur soi. Il faut être patient et pas trop dur avec soi-même parce que ça prend du temps. Et c'est justement plus t'avances dans la vie, plus tu fais des erreurs, tu rencontres des nouvelles personnes. Et en fait, tout ça, ça t'apprend énormément. Et c'est avec ça que t'arrives à évoluer, on va dire. Et moi, en tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça a fonctionné. Et voilà, je sais pas si ça aide. C'est assez court, mais je vous invite à aller voir ma vidéo qui était ultra complète. Avant dernière question, tes goals, mes objectifs dans ma vie, dans les prochaines années, j'en ai deux je pense. Après il y a plein de, par exemple, de petits projets, de petits trucs que j'aimerais bien faire, mais vraiment les goals, grands goals de ma vie, c'est de voyager un maximum parce que plus je voyage, plus j'apprends des choses et plus je suis contente et vous amener avec moi toujours bien sûr. Et deuxième chose, ce serait d'investir, donc d'acheter un appartement. J'ai vraiment envie d'acheter un appartement, on est loin du compte mais c'est dans mes objectifs. Et dernière question, comment te sens-tu après avoir filmé, monté pendant 24 jours? Alors la vérité c'est que je voulais pas trop en parler dans les vidéos parce que c'est chiant quand je regarde des vidéos des gens qui se plaignent, je déteste ça, je pense qu'on a compris. Mais je suis un peu en zombie, il y a vraiment des nuits où parfois je dors 4-5 heures parce que bah je monte jusqu'à tard, le matin je me lève tôt pour finir la vidéo parce que si je me lève trop tard je dois monter puis après j'ai plus rien à vous filmer, enfin c'est un cercle. Mais au-delà de la fatigue, je suis ultra contente de comment se sont passés ces vlogmas. J'étais tellement stressée avant de les commencer parce qu'en fait l'année dernière, je sais pas si vous vous rappelez, mais je suis tombée malade, j'avais un ulcère à l'estomac pendant mes vlogmas. Est-ce qu'on peut faire pire comme timing? Je ne pense pas. Je vous dis la vérité, c'était horrible l'année dernière. Et j'avais peur du coup, t'angoisse parce que t'as pas envie que ça se passe comme ça cette année. Et ça s'est hyper bien passé. Je suis trop contente. Ça me donne plein d'idées pour les vlogmas de l'année prochaine. Ça va être incroyable. Bon, je suis prête à aller dormir. N'oubliez pas que le prochain vlogmas sort le 26 décembre à 19h. J'ai hâte de vous retrouver ce jour-là. N'hésitez pas à activer les notifs et à vous abonner à la chaîne pour pas louper de vidéos. Et n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram. Comme d'hab, je suis active tous les jours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve le 26 à 19h dans une prochaine vidéo. Mouah.